tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou les loulous. Coucou. Coucou les copains et copines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? On va faire une surprise, c'est la surprise des sucettes Choupa Choups. On va faire une surprise sur des sucettes Choupa Choups. Et oui, alors c'est pas très explicite, mais oui, aujourd'hui nous allons ouvrir des sucettes Choupa Choups, mais spéciales Star Wars. Vous voulez les voir? Oui. 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 Alors, je crois qu'il y en a trois chacun. Mais non, le en tout cas, il y a juste un petit problème de taille. Alors, regardez. On dirait des... Oh, mais on dirait des Pokéballs. C'est sympa, ça. Voilà, donc c'est des sucettes Choupa Choups, mais avec une surprise Star Wars à l'intérieur. Je pense qu'on devrait les ouvrir. Bon, c'est un peu compliqué quand même. Une petite règle. Ah, moi j'en ai ouvert une. Alors si vous voulez, moi je vous enlève les papiers. Vous voulez? Non, ça va. Non, ça va. Océane, tu veux que je t'enlève le papier? Là. Ça? Merci. Alors. Bon, mais ça c'est pas la peine, chérie. Il faut juste appuyer là-dessus. Et après, ah, ça s'ouvre. Maintenant. Alors, comment on l'ouvre? Maman l'a montré. Elle a trouvé. Comment est-ce que ça s'ouvre? Donc, on prend la sucette et là, on appuie. Et là, ouh, surprise! Vous avez compris? C'est moi, j'ai aussi. Attends, comment ça s'ouvre? Et moi, j'ai eu Shira. Et Happy. Voilà. Oh. D'accord. Voilà. Ah, j'ai eu R2-D2. Ouh, R2-D2. Pardon. Et Océane, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as eu? En fait, le bâton qu'on avait, c'était le bâton de la sucette. Eh oui, c'est le bâton de la sucette qui il est passé de l'autre côté, c'est super rigolo ça. Oui. Hein, ça ressemble un peu à des Pokéballs. Mais sauf que là, c'est Star Wars. Donc c'est pas pareil. Attends. Après là, il y a un Pokéball. Là, après, c'est la boule de Pikachu là. Après, c'est la boule de Pikachu. Après, on va jeter et après, pouf, elle se rend en deux. Si vous mettez R2-D2, oui, et après, ça sera le Pokémon R2-D2. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Océane nous montre qu'il y a tout ça. Attention. Et voilà. Ils sont super beaux. Et c'est à mettre où ça? C'est à mettre sur les. Je sais pas. Peut-être les crayons, peut-être. À mon avis, c'est pour mettre sur les crayons. Oh. Voilà, donc Corentin a eu. Il a eu R2-D2. Qu'il n'a pas encore déballé. Mais là, il déballe son autre sucette. Il est en train de se battre avec. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et elles sont à quoi, les sucettes? Oh, mais elles sont toutes à la fraise. Moi, j'en ai eu deux fraises. Deux fraises? Je pense qu'elles sont toutes à la sucette. Je pense que les sucettes, elles sont toutes à la sucette. Je pense que les sucettes, elles sont toutes à la fraise. J'ai eu la planète de Dark Vador. La planète de Dark Vador? Ouh là là! Ah oui! Corentin a eu la planète de Dark Vador. Ne me demandez pas comment elle s'appelle. Peut-être les petits amis, dans les commentaires, vous pourrez me mettre le nom de tous les personnages. Parce que je ne suis pas une experte. Ce serait super, hein. Ouais. Ouais, hein, comme ça, au moins. C'est Tom. Alors, c'est Tom, mon copain, qui m'a appris ce que Oh, ça, on a eu un soldat, comment il s'appelle? Lui, je ne sais pas. Je sais
Bah, je pense que c'est un Snake Trooper, je pense. Ah oui, tu penses? Pareil, les petits copains, n'hésitez pas à mettre dans les petits commentaires le nom des personnages. En tout cas, on en a eu. Mais Océane, il y en a une autre là. Tu l'as oublié celle-là? Oh, j'ai arrêté le premier. Waouh! Et voilà. Attends, c'est qui lui? Ce que ça donne. Oh, plus lui, il est super chouette. Voilà, il est super beau. Je l'ai lui. Oui, Corentin. Je l'avais eu à Pâques. Ouais, à Pâques dans un maxi Kinder. Surprise. Oh, j'ai une Dark Vador. Tu as une Dark Vador? Oh, purée, pourquoi? Oh, la Dark Vador. Attention. Oh non, s'il te plaît. C'est un des personnages préférés de Corentin. Monsieur. J'ai même le déguisement. Dark Vador. J'ai le déguisement. Et Dark Vador, il est là. Dark Vador, il est là. Et Chewbacca, il est là, Chewbacca. Chewbacca, il est là, Chewbacca. Chewbacca, comment il fait, Chewbacca? Et dans le restaurant du. Dans le restaurant du cœur, si, il se fait raser la tête. Ah oui. Il a dit, bon, moi, bon, je me suis fait raser la tête. Comme ça. Oui, tu peux l'aider. Dark Vador. Alors, Corentin, à une dernière. Ouh là 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 là, il se bat. Et ça, on peut les réutiliser après? Ouais, je sais pas. Ça peut être utilisé pour mettre peut-être des boîtes secrètes. Ça peut Oui, c'est chouette. Après, on les referme et on peut mettre des petites choses à l'intérieur. C'est rigolo. Ah bah ça, c'est super chouette. Moi, j'aime bien. Oh, qui as-tu? Alors ça, je ne sais pas, mais c'est encore un soldat. Alors... Moi, je suis pas intéressée par les pattes. Oh, regardez, moi, voilà. J'ai ouvert mes trois petites sucettes. Alors, super beau. J'ai trois sucettes à la fraise. Et ben alors, vous les avez tous déballés? Oui. Il y en a combien collectionnés? Il y en a... 12 collectionnés. Voilà. On les a presque. Donc, on 12. A déjà la moitié de la collection. Ah, oh, je te laisse en goûter. Mais Océane, on n'ouvre pas toutes les sucettes. Tu me laisses goûter? C'est pas bonne. C'est à bien goût de la fraise. Hein. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Alors, les loulous, on va montrer un peu tout ce qu'on a eu d'un peu plus près à nos petits amis. Dans ces sucettes choupa choup, nous avons eu un joli R2-D2, un soldat, un autre soldat tout noir, tout beau, la planète, ouais, elle est jolie, hein, un autre soldat. Et ensuite, il nous manque. Ben. Dark Vador. Ah oui, il est où, Dark Vador? C'est moi, je l'avais mis par terre. Oh, Grantin. Et voici Dark Vador. Donc voilà, donc ça fera super joli sur les crayons. Parce qu'apparemment, on peut les mettre goûter. Sur les crayons. De papier pour l'école, c'est rigolo, hein? Oui. Et voilà, les 6 personnages. Alors, en attendant, n'oubliez pas de mettre votre petit... pouce vers le haut. Un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous. En attendant... Bye bye. Thank you.